Eşref zaten senin kemter kulundur. Eşref zaten senin kemter kulundur. İlahi La semaine dernière, on avait la semaine dernière, on avait les portes ouvertes au Vaucluse, dans le Vaucluse au Pontet. Les frères m'ont demandé de faire une intervention comme ça. Et j'ai pu rencontrer un frère éminent, mashallah, qui a fait une thèse de doctorat sur ce qu'on appelle al-fiqh al-muqarim, pardon. C'est la comparaison entre le droit positif et le droit musulman. Et ça, vous le trouverez, hein, si vous cherchez les thèses, quelqu'un est intéressé, je peux lui ramener la thèse, parce qu'elle va être imprimée à la Sorbonne, mais je peux vous ramener la thèse. Et les orientalistes, ils le savent aussi. La conclusion de sa thèse, c'est quoi? 93%, écoutez bien, du droit français, alaykoum salam wa rahmatoullah, est inspiré du droit musulman. 93%, n'ayez pas honte les frères. 93% du droit français est inspiré du droit musulman. Je vous donne un exemple. La présomption d'innocence. Quand on parle de la présomption d'innocence, c'est-à-dire que quand on accuse quelqu'un, le doute profite à l'accusé. C'est ce qu'on dit, hein. Quand on accuse quelqu'un, il faut amener la preuve. Si on n'amène pas la preuve, c'est lui les non-avenus. Qui c'est le premier qui l'a mis en place? C'est l'islam qui nous dit ça. C'est quand je vous dis, quand on parle de la calomnie, si quelqu'un vient et calomnie quelqu'un, si tu n'as pas de preuve, on te châtie toi. C'est ce qu'on vient de dire là. Je vous donne autre chose. Les allocations familiales. Quand les gens ils parlent, la France donne les allocations familiales. Qui c'est le premier qui l'a mis en place? Omar. Pas le prophète, Omar. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Vous connaissez l'histoire, les frères? On l'a raconté assez. Vous connaissez l'histoire quand la femme elle a dit je veux qu'il arrête le sein et qu'il commence à manger. Et il a dit mais pourquoi tu veux arrêter ça? Il a dit parce qu'Omar il donne une allocation à celui qui commence à manger aux enfants. Omar il a dit, Omar quand il a entendu ça, il a tapé sa tête. Il a dit comme une sabine qatelta ya Omar, combien d'enfants tu as tué ya Omar? Et il a passé, écoutez bien, il a passé 3 jours et 3 nuits à pleurer, à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire, quand les gens qui avaient le sens de la responsabilité, 3 jours et 3 nuits, il dit, « Ya Rabbi, hal qabilta tawbati ?» Est-ce que tu acceptes ma repentance? Alors le Khattab, c'est lui qui a mis les allocations familiales. L'allocation vieillesse, pour celui qui a travaillé dans les retraites aujourd'hui, qui c'est qui l'a mis en place? Omar al-Khattab. Quand vous perdez quelque chose, ou là vous trouvez quelque chose, elle devient votre propriété à partir de quand? Un an et un jour. Où est-ce qu'ils l'ont trouvé, un an et un jour? L'objet trouvé dans la législation musulmane, bien sûr, c'est inspiré d'Égypte, oui. Oui, c'est la compagnie d'Égypte qui a fait... Et tous les États européens, sachez bien, tous les États européens, dans leur droit, s'inspirent de la législation française. Les États européens s'inspirent de la législation française et la législation française est inspirée à 93%. Mais ça, c'est les orientalistes qui le disent, frère. C'est pas moi, hein. Ce sont des thèses de doctorat. 93% du droit français est inspiré de la législation musulmane. C'est pour ça que c'est important de connaître notre religion et connaître la beauté de cette religion. Parce qu'il y a des gens qui viennent dire, attention, hein, il faut que tu te mettes comme ça, il serre sur les gens, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer. Non, on en a parlé la semaine dernière de quoi? On a parlé de Jannah. Hein, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka bashiran
ونذيرا بشيرا. Il commence par le Bouchra. Allah subhanahu wa ta'ala commence toujours par le Bouchra. Il commence toujours par la bonne nouvelle. Donc quand toi, frère, quand tu vas parler aux gens, tu leur parles de la beauté de cet islam. Il n'y a pas une religion qui considère Marie comme la considère l'islam. Eux ils disent que Marie, pour avoir le Messie, a une relation avec Joseph. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, c'est la seule femme au monde qui a eu un enfant sans avoir de relation. Il n'y a pas une religion au monde, ayyuha al-ikhwa, qui demande aux enfants de respecter les parents comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour le Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour le Coran. Il n'y a pas une religion au monde. Il n'y a pas une religion au monde qui respecte l'adulte comme Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire, mais alors pourquoi les musulmans on est tellement arriérés, on est tellement comme ça Mais parce qu'on n'applique pas l'islam. Tout simplement, le frère. Parce qu'on n'applique pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. C'est tout. Si on appliquait ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, on serait comme sahaba, comme les compagnons du prophète. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert pour sahaba en 20 ans ce qu'il n'a pas ouvert aux Romains pendant 300 ans. Et ça, c'est le but de notre cours d'aujourd'hui, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, surat al-Nahl. Dans les derniers versets de surat al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte l'histoire d'Ibrahim. Et puis il nous raconte l'histoire du samedi. Le samedi, qu'est-ce qui s'est passé avec les Juifs? Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, du côté des Lattes, il y avait une des villageois qui triomphaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala voulait les mettre à l'épreuve. Il leur dit, ne chassez pas, ne pêchez pas le samedi. Et le samedi, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, les poissons venaient jusqu'en bord de mer, près d'eux. Ils ont dit, mais c'est pas possible qu'on ne pêche pas le samedi. Il y a tellement de... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté les filets le vendredi et ils ont ramassé les filets le dimanche. Ok? Allah subhanahu wa ta'ala masakhahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a... Comment? Maudit. Pardon? Maudit. Maudit, oui, mais pas seulement maudit, il les a transformés en singes. Hein? Mais ils n'en parlent pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle, le Coran. Il n'a pas juré le sept à l'avina khtalafoufi ou leur tout les foufi. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين ادعو إلى سبيل ربك الفعل ادعو دعا يدعو c'est une invocation, c'est un appel, hein? c'est une invocation, c'est un appel. Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande à nous tous à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un appel pour cette religion. Je vais vous dire pourquoi après de faire un appel pour cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit bil hikmati wal maw'izati al hasana. C'est quoi le hikma? La définition de le hikma. Le hikma. Oui, mais ça c'est la traduction, Youssef. C'est comme si je te dis c'est quoi l'eau, tu me dis le ma. D'accord? Non, l'eau c'est un liquide, un indolore, un incolore qu'on peut boire, tu vois, c'est ça la définition. Donc le hikma c'est quoi? Al-hikma, c'est mettre la chose à sa place. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu discutes avec quelqu'un qui est érudit, qui connaît la religion, tu peux parler des choses qui sont détaillées, fait le Coran, tout ça. Quand tu parles avec quelqu'un qui ne connaît rien, ça ne sert à rien de lui dire ah, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Et tu lui donnes quelqu'un qui vient de connaître la religion et tu lui dis non, maintenant il faut que tu mettes le qamis, il ne faut plus que tu mettes de pantalon, et ça c'est haram, il faut que tu laisses ta barbe, et ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. On essaie l'histoire du gars qui a déclaré son islam en Italie. Ça c'est le directeur du centre islamique hein, qui nous raconte ça. Il nous dit, le gars il a déclaré, il a cherché l'islam, et puis il est devenu musulman. Et puis il est allé dans une mosquée comme ça, hein, et le frère était, l'imam était un dur. Il lui dit, attention, hein, maintenant tu ne peux plus revenir sur ta religion, parce que si tu reviens sur ta religion, c'est l'apostasie. Et l'apostasie, en islam, qu'est-ce qu'on fait? On te tue. Ouais. Et il dit, attention, tu es marié, si tu commets l'adultère, pareil, on te tue. Alors il lui cite 3 ou 4 tués comme ça, il dit, écoute, venez vous me tuer. Ni je vous tue, salam alaikum, je ne deviens pas musulman.
restez où vous êtes. Subhanallah. Elle dit, regardez, le hikma c'est ça. Le hikma c'est que tu ne parles pas aux gens comme ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis des règles comme on a dit au début du cours. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, les finalités, si tu ne connais pas les finalités de sharia, tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ça, on te tue. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit, on te tue. Non, ce n'est pas ça. Ok, la loi du talion en islam. C'est quoi la loi du talion en islam? Celui qui a tué d'une manière délibérée, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. Sauf si... La famille pardonne. Non, sauf si... La famille pardonne. Sa famille, elle pardonne. Sauf si la famille, elle pardonne. Ou Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère que la famille pardonne et qu'elle ait la dette de sang. Et qu'on paye, par exemple, une dette de sang pour la famille et qu'on ne tue pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, les hifz an-nafs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour la protection de la vie, on a tellement élevé la protection de la vie que tu ne peux pas tuer les gens comme ça. Celui qui sait que quand il tue, on va le tuer, il réfléchira deux fois. Ok? Mais celui qui sait que quand il tue, il va aller en prison, on va prendre 30 ans ou je ne sais pas combien, et au bout de 15, là, il va sortir, c'est pas la même chose, les frères. Hein? C'est pas du tout la même chose. Bon. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana. Al maw'idati al hasana, c'est quoi? C'est la bonne parole. C'est la bonne parole, maw'idati al hasana. Mais les ulama, ils ne s'arrêtent pas là. Ils te disent que maw'idati al hasana, ce n'est pas seulement la bonne parole. Parce que je peux vous dire la bonne parole, et ce que je fais à côté ne correspond pas à ce que je vous dis. Vous ne me croirez pas. Si ce que je fais, c'est le contraire de ce que je dis, vous ne me croirez pas. En islam, il n'y a pas faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, comme dit le curé. Non. Fait l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il faut lima taquluna ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Cette aya est descendue. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les gens qui disent les choses qu'ils ne font pas. Elle est descendue parce que les sahabes ont dit, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous écrit le djihad, on va combattre fi sabilillah. Quand l'aya est descendue pour combattre fi sabilillah, donnez votre vie, donnez votre... Allah subhanahu wa ta'ala dit djihadou, il dit toujours quand il parle de djihad, le djihad il commence par quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, par l'argent, barakallah. Là, on commence par l'argent. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle des croyants qui défendent leur religion, ils disent jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Par contre, c'est plus difficile de sortir l'argent. Vous le savez là, il y a un chart de 15 euros je crois dans la mosquée. C'est plus difficile de sortir l'argent que d'aller combattre comme ça. Toi, tu vas combattre, oui. Mais c'est plus difficile de mettre la main dans la poche et de sortir l'argent. C'est plus difficile. Allah subhanahu wa ta'ala jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Donc, ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. On reste sur الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة, le nom, c'est le comportement. Autrement dit, ayyuha al-ikhwa, nous sommes tous là avec notre comportement. Avec notre comportement. Parce que les gens, quand ils te voient, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, les gens, quand ils te voient, ils ne voient pas Ahmed, Mohamed, Redouane, Foulay, Mourad. Non, ils ne voient pas ça. Ils voient le musulman. Dès qu'ils te voient, ils voient le musulman. Ce que tu fais, c'est ça l'islam. C'est tout. Les gens, quand ils connaissent l'islam, à travers quoi? Les gens, ils assistent ici pour assister, ils viennent à la mosquée pour assister au cours. Hein? Comme cela, va faire toi. Et puis, bah, c'est un conseil, les frères. Il y a des cours de biographie, hein? Sir. Il y a des cours en semaine, tout ça. En semaine, il y a des cours, surtout si on a douillé, on a commencé une semaine. Inch'Allah. C'est bien, les frères, il faut assister. Il faut assister parce que il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on nourrit l'imam. Comment tu entretiens ta foi? Tu entretiens ta foi par ta présence à la mosquée et par la connaissance. Plus tu apprends, plus tu vois que cette religion elle est extraordinaire. Plus tu apprends, quand tu lis ou là tu apprends la biographie du prophète, tu vois comment c'est difficile d'atteindre le but. Que la vie est semée d'embûches et d'épreuves. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemplarité, on la tire d'où? On la tire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment dire notre exemplarité du prophète? Eh bien, il a subi des choses dans la vie, et nous, c'est pareil. Bien sûr, on ne va pas atteindre ce que le prophète a subi, mais c'est toujours un exemple pour nous. C'est toujours un exemple. Est-ce que je dois traiter mon voisin de la meilleure des manières? Oui, je dois traiter le voisin de la meilleure des manières. Celui qui mettait sa poubelle devant l'entrée du prophète,
tous les jours. Puis un jour, il ne l'avait pas. Après, il demande où est-ce qu'il est. Il dit, il est malade, il y a la main. Il est malade, il va lui rendre visite. Tu rendras visite à quelqu'un qui met sa poubelle devant ta porte. Faut être honnête, les frères. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui... moi, je vous le dis, hein. Moi, quelqu'un qui met la poubelle devant ma porte, je ne sais pas si je vais lui rendre visite. Vous voyez, il faut être honnête. Il faut, hein, regarder l'exemplarité du prophète, les frères. Vous avez vu l'exemplarité du prophète? Tu peux lui rendre visite. Tu remets la poubelle chez moi, ça fait ouais. Oui, mais vous voyez, donc... non, mais regardez, je veux dire, il a atteint un sommet de, comment dire, de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne voit pas les hommes de la même manière comme nous on les voit. Vous voyez, alors sallam, on le frappe, il dit Allah marfir li khawmi fa innahum la ya'lamun. Mais on continue parce que... donc, ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mu'idati al-hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Alors, on a dit le mu'idati al-hasana, c'est la bonne parole, mais c'est aussi le comportement. Si moi, en tant que musulman, j'ai un mauvais comportement vis-à-vis de mes voisins, vis-à-vis surtout de la société dans laquelle on vit, les gens, ils prennent que ça. Hein, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle des trains qui arrivent en retard. Sachez-le, ça.